Comment faire pour partager et gérer une architecture logicielle dans une équipe? On va vous présenter la Design Review. Je suis aujourd'hui avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et tu vas nous parler donc de ton expérience avec la Design Review. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi c'est Mathieu Marchois, je suis développeur dans la coopérative Fairness. On est spécialisé dans la conception responsable d'applications web et mobiles, notamment sur les technologies Symfony, React.js et Node.js. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est la Design Review et comment ça se passe? Donc la Design Review, c'est une revue technique d'équipe, et le mot équipe est important parce qu'il faut impliquer vraiment tout le monde, de la user story à effectuer. Donc du coup, ça va être la personne en charge de la user story qui va driver la chose, qui va noter sur un tableau blanc tout ce qu'on va décider ensemble. Ça dure généralement entre 10 et 20 minutes et c'est le moment où on va échanger. Donc techniquement, ça peut être très bien du nommage de classe, du nommage de variables, des namespaces. Ça peut très bien être aussi le fait d'aller voir dans le code existant pour voir comment la user story pourrait s'intégrer. Et donc du coup, le but vraiment, ça va être de lever toute ambiguïté pour le développeur qui va prendre la user story et d'avoir une liste exhaustive de tâches techniques à réaliser pour que le développeur puisse être autonome. Souvent, ce qu'on reproche à Scrum en particulier, c'est d'avoir déjà beaucoup de réunions pour les développeurs. Est-ce que là, c'est pas encore une réunion en plus? Quand est-ce qu'on l'a fait? Alors effectivement, il y a beaucoup de réunions, mais à mon sens, elles sont toutes complémentaires pour le bon déroulement du projet. La design review, généralement, nous, on le fait post-sprint planning. Donc on en prend deux ou trois, pas plus, parce que du coup, après, à la fin, donc, il y a une baisse de concentration, de la fatigue, donc ça ne serait pas pertinent de dérouler l'ensemble. Donc on prend ces deux ou trois user stories, on les déroule pour que chacun puisse être autonome dès le lendemain matin. Et les suivantes, on les fera au fur et à mesure que le sprint se déroulera. Pendant le sprint, je suppose qu'on ne va pas demander aux développeurs de s'interrompre potentiellement trois fois par heure dès que quelqu'un a fini quelque chose. Donc, comment on fait? Alors effectivement, ça ne serait pas très pertinent, pas très productif. Donc généralement, ce qu'on fait, donc, le premier matin, ils sont autonomes, ils savent quoi faire. Et généralement, s'il y a des user stories, des design reviews pardon, à effectuer en cours de sprint, on les programme soit post-daily, le moment où tout le monde est encore disponible, ou après la pause-déj. Donc avant de commencer quelque chose. Exactement. Après, si une personne n'est pas forcément disponible, ce n'est pas grave. Il faut être minimum trois, je dirais, pour qu'on puisse avoir une réflexion vraiment d'équipe et quitte à après à faire un débrief aux membres de l'équipe qui n'étaient pas disponibles. Donc l'ensemble de l'équipe, c'est mieux, mais si tout le monde ne l'est pas, bah, ce n'est pas extrêmement grave. Oui, il faut mieux la faire quand même. Exactement. À ton avis, justement, quelle est la limite de taille d'une équipe pour faire une design review? Nous, on avait une équipe de 5 personnes, donc 5 personnes, c'était très correct. Dans des gros projets, des grosses équipes, généralement, on scinde en plusieurs équipes, ce qu'on appelle des feature teams. Donc, je ne vois pas trop de problématiques quant à avoir des équipes de même 9 à 10 personnes. Pour toi, dans ton expérience, dans ta façon de travailler, qu'est-ce que ça a changé de faire des design reviews? Alors, pour mettre un petit peu de contexte, c'est que chez Fairness, on travaille sur des applications avec énormément de complexité métier. Donc quand on arrive sur un nouveau projet, ça peut être un petit peu déroutant, on est un petit peu perdu. Un développeur n'est pas forcément du coup rassuré. Et le fait de faire des design reviews, bah, du coup, il va se sentir beaucoup plus serein quant aux tâches qu'il a effectuées. Même si on n'a pas connaissance de l'ensemble du code d'un projet, on peut très bien être au clair sur la partie qu'on a à faire durant le sprint parce que ça a été évoqué pendant la design review. Donc du coup, le dev est autonome et il n'y a pas de problème. Dans ma façon de travailler, c'est que je ne conçois pas mon code tout seul, dans mon coin, avoir mes propres idées, mais je vais confronter mes idées justement avec les autres membres de l'équipe. Mmh. Donc on construit vraiment un code d'équipe, ce qui apporte beaucoup plus de cohérence et de cohésion aussi dans le code qu'on produit. On suit une guideline, grosso modo, de notre architecture. Donc le projet va dans le bon sens, on n'en dévie pas, on sait vraiment là où on doit aller. Et du coup, tu sais aussi où vont les autres? Je sais où vont les autres parce qu'on a décidé ensemble vraiment des actions à mener. Du coup, le fait de mener un code d'équipe, ça va vraiment nous apporter un code qualitatif parce qu'on est plusieurs à y réfléchir. Et à la fin, en fin de compte, c'est qu'au moment de la revue de code, on va y gagner énormément de temps aussi parce qu'on sait comment le développeur a conçu sa story. Donc typiquement, les retours qu'on pourrait faire, ça pourrait être des typos, des fautes de syntaxe, ce genre de choses, mais pas des retours vraiment de fond sur la story. Donc un vrai gain de temps, ça évite d'avoir des allers-retours pull request. Donc vraiment un gain de temps conséquent. Pour toi, quels sont les bénéfices pour l'équipe et pour le produit de la design review? Alors c'est un moment de partage, donc on va apprendre des autres, tant sur le côté technique que même sur le côté humain, sur la façon de fonctionner d'un développeur. Donc vraiment un moment de partage et d'échange. Pardon. Et ça va être le moment où tout le monde se sent utile à la conception du produit.
La design review permet également un temps de montée en compétences beaucoup plus rapide, que ce soit technique et de compréhension métier pour les nouveaux arrivants. Et pour le produit ? Alors pour le produit, c'est tout simple, étant donné que c'est un code qui est construit en équipe, forcément la qualité, qui peut impliquer de la performance et in fine moins de bugs. Tout le monde y gagne en fait. Tout le monde y gagne. Pour les nouveaux arrivants, ok, mais ça veut dire aussi un mindset spécifique pour l'équipe qui accueille ces nouveaux arrivants. Exactement, donc c'est vraiment le moment où le développeur qui arrive dans une nouvelle équipe va s'intégrer, donc il va échanger avec sa nouvelle équipe, techniquement, humainement, ce genre de choses. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a jamais de questions bêtes. Donc, pas hésiter de balancer un maximum de questions sur la compréhension technique, sur la compréhension métier. Et c'est aussi à l'équipe d'être à l'écoute et de répondre intelligemment aux questions du développeur. Donc, encore une fois, pas de questions bêtes. Il faut que l'équipe soit bienveillante pour que tout fonctionne correctement. Il faut que le nouvel arrivant aussi ou que n'importe quel développeur soit proactif. Il ne faut pas rester en retrait. Essayez de participer un maximum à cette design review pour que ça soit le plus constructif possible. Tu conseilles qu'un nouvel arrivant dans une équipe, quand est-ce qu'il porte sa première design review ? Est-ce que c'est tout de suite ou quand même un petit peu de temps après ? Alors pour moi, personnellement, je dirais tout de suite, dès qu'on lui assigne une première user story, donc à lui de se jeter dans le bain. Comment je le ferai ? Mais il sera bien évidemment guidé par l'ensemble de l'équipe. C'est pas débrouille-toi, fais ce qu'on te dit, quoi. Il va être au tableau, il va noter donc, les idées de chacun. Mais en fait, celui qui est au tableau, finalement, celui qui mène la design review, c'est celui qui note. Donc, il sera quand même accompagné et aidé par l'ensemble de l'équipe. Oui, ça, c'est un point important, je trouve, c'est que de préciser que celui qui est au tableau, qui porte la design review, en fait, il ne décide pas de tout, il n'explique pas comment il va faire, il propose une façon de faire et c'est un échange qui doit se faire. Exactement. Et on en prend de tout le monde. Exactement. Donc, tu parles d'un code d'équipe. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent, on a effectivement un produit qui est composé de plusieurs codes différents, autant de codes qu'il y a de développeurs, alors que là, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus unitaire. Effectivement. Et ce qu'il faut se dire, c'est que même si un développeur est très, très bon techniquement, l'équipe sera toujours meilleure parce qu'il y a plusieurs cerveaux pour réfléchir à cette fonctionnalité-là. Donc, le code est forcément d'une meilleure qualité. Et en plus de ça, c'est que ça va impliquer l'ensemble des devs de l'équipe. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas de personne qui est mise à l'écart ou il n'y a pas, à contrario, de personne qui décide de tout pour tout le monde. Et du coup, tout le monde est au même niveau. Tout le monde est vraiment impliqué dans la mise en place de l'architecture de cette story-là. Et donc, du coup, on va obtenir une certaine continuité dans l'architecture du code. Ce qui fait que si demain, il y a des départs ou des arrivées dans une équipe, pas de problème parce que le code a toujours cette même cohérence-là et à travers les design reviews, eh bien, les compétences techniques et métiers pourraient être transmises aux nouveaux arrivants. J'ai l'impression que ça a aussi un bénéfice de lisser un petit peu le côté hiérarchique qu'il pourrait y avoir dans une équipe avec un lead dev qui déciderait tout et puis les autres qui font comme il dit. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, nous, dans notre équipe, on n'avait pas de hiérarchie de développeurs, donc comme ça, c'est simple. Mais il y a quand même une notion importante à avoir, c'est mettre son ego de côté. Ce n'est pas parce que quelqu'un va avoir une meilleure idée que nous que il se sent supérieur ou quoi que ce soit. Ça peut être très bien pertinent. Un junior peut avoir une meilleure idée qu'un senior par rapport à la compréhension du métier, voire même technique. Donc vraiment, essayer d'être le plus bienveillant possible, écouter les arguments des autres, ne pas être vraiment braqué, parce que sinon, ça serait complètement non constructif et ce n'est vraiment pas ce qu'on recherche. Moi, j'aime bien pousser les équipes à faire du pair programming ou du mob programming. Si l'équipe fait du pair programming, est-ce que tu penses qu'ils doivent présenter, porter la story et la design review ensemble, à deux, ou il y en a un qui faut mieux que ce soit un seul qui prenne le lead ? Alors, encore une fois, il n'y a pas vraiment de bonne façon de faire. Ça peut très bien être les deux personnes qui vont aller au tableau et présenter leur story, ou un des deux. Vraiment, peu importe. C'est vraiment à l'équipe de savoir de comment s'organiser, comment choisir. Il n'y a pas vraiment de bonne pratique, quoi. Est-ce que tu crois que c'est pertinent si l'équipe fait du mob programming, dans le sens où tout le monde fait le code ? Alors, c'est totalement pertinent, même si c'est du mob donc, qui impliquerait une grande partie de l'équipe. Parce que quand on commence à développer une feature, on peut partir dans tous les sens. Même si on est en équipe, quand on est dans le code, on ne lève pas forcément la tête du guidon et on ne sait plus trop aller. Alors que le fait de faire une design review en amont va nous permettre de suivre un plan vraiment structuré comme il faut et tout ça, et de savoir exactement où on est et où on doit aller. Donc effectivement, c'est vraiment très pertinent. À ton avis, est-ce que c'est possible de le faire et quels seraient les tips pour le faire avec des personnes en remote, une personne ou toute l'équipe en remote ? Alors moi, je ne l'ai jamais expérimenté personnellement, mais un de mes collègues l'a fait.
Donc effectivement, ça peut se faire, c'est plus compliqué et moins dynamique parce qu'on n'est pas en face à face. Mais aujourd'hui, avec la visio, on peut très bien le faire. On prend un Google Doc ou n'importe quel autre outil et on note de la même manière qu'on le ferait sur un tableau blanc cette fameuse liste exhaustive de tâches techniques à réaliser. Alors, dis-moi, quels sont tes conseils si on veut absolument rater une design review? Alors, je dirais d'être fermé, ne pas écouter l'autre et ne pas vouloir changer d'avis. C'est les choses à ne pas faire pour réussir vraiment une design review. Être bienveillant, à l'écoute des autres. Au final, les décisions qui sont prises, c'est un consensus. C'est un consensus, effectivement. Donc, il faut être assez intelligent et, encore une fois, mettre son ego de côté pour écouter les arguments de chacun. Donc, effectivement, un développeur pourra avoir raison sur ce point de vue-là, mais après, un autre développeur pourra avoir raison sur un autre point de vue. Donc, c'est vraiment un consensus, c'est un débat. Il ne faut pas que ce soit un débat stérile. Il faut vraiment, encore une fois, mettre son ego de côté, écouter surtout. C'est vraiment très important d'écouter, être bienveillant. Et du coup, l'équipe pourra vraiment que grandir à travers ces réunions-là. Et alors, pour nos spectateurs et nos spectatrices qui aimeraient essayer dès demain de faire une design review, quelle est la première étape? Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, juste se lancer, décider en équipe du moment qui serait le plus opportun, prendre un tableau blanc, un feutre et on y va, quoi. Et on écrit. Et on écrit. Très bien. Donc, du coup, chaque équipe aura son propre mode de fonctionnement. Donc, il faut expérimenter, il faut y aller, il faut tâtonner et vous allez, au fur et à mesure que les sprints avancent, façonner votre propre façon de faire. Merci beaucoup Mathieu. Si on veut te contacter, comment on fait? Alors si on veut me contacter, on peut me retrouver sur Twitter. Donc mon pseudo c'est M Marchois ou via la coopérative Fairness, donc sur fairness.coop. Merci à tous, j'espère que ça vous a convaincu d'essayer. N'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire de cette vidéo. Mathieu viendra aussi pour répondre à vos questions. Avec plaisir. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao.